Salut tout le monde, ici RekFBC ou KevRekker pour un let's play assez particulier sur un jeu qui m'a été proposé par un camarade. Un let's play qui devrait être assez court d'après ce qu'on m'a dit, puisque je suis sur Portal 1. Portal 1 pour ceux qui préfèrent la prononciation à la française, mais moi je préfère la prononciation à l'anglaise, moi je suis authentique, bref, on s'en fout. Donc, nous sommes sur Portal 1. Donc on m'a dit que ça allait être assez court, donc on va bien voir. J'ai trouvé la proposition intéressante parce que bon bah c'est vrai que je connais un petit peu l'univers de Portal, mais très très peu parce que bah voilà, je ne connais pas les jeux dans les détails, je n'y ai jamais joué. Et donc voilà, je suis sur le premier. Peut-être que je pourrais enchaîner avec le 2 après. Donc j'ai fait les tests audio, tout est bon, on est prêt. Donc c'est parti, donc je vais certainement faire le let's play en un seul enregistrement, en une seule fois. Et après je ferai les coupages au montage, donc il n'y aura pas de bonjour, au revoir à la fin, enfin il n'y aura pas de au revoir à la fin de chaque épisode. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc pour couper c'est compliqué. Donc voilà, ça sera à l'américaine, on enregistre plein d'épisodes d'un coup et puis après on fait le découpage comme ça au feeling. Donc on commence une nouvelle partie, c'est normal. Donc j'ai juste fait les tests audio tout à l'heure, donc j'ai avancé un tout petit peu. Donc là, on se réveille. C'est assez particulier, hein. Environnement assez spécial. Très spécial même. Il y a même des caméras. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, botón de falla, muchas gracias. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. J'ai touché à rien, j'ai touché à rien, c'est pas moi. En tout cas, ils disent des choses assez inquiétantes, hein. Qu'est-ce que ces choses qu'elle a au pied? C'est étrange. C'est très étrange. Bon, on avance. C'est cool, je me vois. Coucou, c'est moi. Coucou, coucou. Bon, allez, on arrête. Coucou. Donc, on est dans un centre un peu bizarre. Qui est censé faire... quelque chose, je sais pas trop quoi. Bref, c'est très étrange. On avance, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Coucou. Je me demande ce qu'il faut faire pour ouvrir la porte. Oh là là, c'est trop dur. Oh là là, il est trop facile ce jeu. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage ST d'Aperture Science. D'accord. Oui, d'accord, tout ce qui n'est pas autorisé sera donc détruit. Je peux pas en avoir un autre, s'il vous plaît. Je pourrais avoir un autre cube, juste pour voir. Parce que là, si je l'enlève... Est-ce que je peux pas le lancer? Ouais, d'accord. Bon. C'est pas grave. Ouais, je peux pas en avoir un autre, juste pour faire le test, justement. Dommage, bon. Donc pour l'instant, c'est l'échauffement, bien sûr, hein. Nous sommes un cobaye. Un sur 19. Placez le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas.
Waouh. Attendez, là, j'ai pas compris ce que je faisais, là. D'accord, c'est que là, les portails s'ouvrent de façon un petit peu youhou, hein. Alors, ah! Là, j'ai perdu le cube, super. Alors, le bouton, il est où, du coup? D'accord, il est là-bas. Ok. D'accord, donc ça, c'est... Il y a un rythme, apparemment, hein. On attend que le portail s'ouvre. On prend le cube. Et on attend d'avoir un passage jusqu'au bouton. Bah voilà. Toc. C'est fait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. D'accord, si vous le dites. Bon, pour l'instant ça va évidemment. Purée, tout ce qu'il y a comme ascenseur là-dedans. On va faire que ça, aller dans l'ascenseur, enfin le sas plutôt. Comme ils disent. Après je sais pas si on monte ou on descend ou des choses comme ça. Chargement, d'accord. Nous apprécions votre diligence. Est-ce que j'ai le choix? Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. On aurait dit une chanson. De couronne, de l'émail et des dents. Oh! Ça, je connais. Ouais, j'ai été trop... J'étais trop lent. Le portail, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le portail. Est-ce qu'il y a... Ah oui, d'accord, il y a les quatre, d'accord. Ok. Merci. D'accord. Faut que j'aille le choper ou quoi? Pourquoi ça sert que je fasse ça? Voilà. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Cool. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Il y a un truc avec le générateur, je sais pas quoi, mais je crois que je dois faire attention, non? Bon, ok, arrêtons les bêtises, on va remonter là-bas. Zup! Wouh! Ouais, donc ça, c'était pas un niveau à proprement parler, c'était juste une étape intermédiaire. D'accord. Donc on va apprendre à se servir du pistolet pour faire des portails. Car dans ce jeu, il y a des portails. Bravo. Non, parce que pour l'instant, on n'est pas dans le vif du sujet, donc je raconte n'importe quoi histoire de meubler. Là, c'est évidemment, c'est l'échauffement. Dirigez-vous vers le sas. Attention à la main. Facile. En plus, je me suis vu, c'est trop cool. Coco. Waouh, c'est énorme. D'accord, et je dois aller là-bas. Oh bah, facile. Boom. Bon, encore une fois, c'est que l'échauffement. Le programme à mener votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Préparer votre fille au monde du travail. Qu'est-ce que c'est que ce truc de barbare, quoi? Ouh là là, ces scientifiques-là, ils me font peur. Enfin, pour l'instant, c'est un robot qui me parle, alors... Les scientifiques, je sais pas trop où ils sont. Si ça se trouve, ce sont des robots scientifiques qui ont pris le contrôle du monde. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous Merci. Vous en sortez bien. En même temps, c'est trop facile, quoi. Un peu de défi, s'il vous plaît.
Alors je fais quoi là? Ouais. Oui, d'accord, ça s'ouvre. C'est bien. Mais ben. Ah d'accord. Ah d'accord. D'accord, avertissement, ne vous prenez pas le cube sur la tête. Merci, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Choup. Ok. Sioup. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Merci. Je pense que c'est mieux parce qu'être observé comme ça, comme un rat de laboratoire. Ouais, donc apparemment c'est. Ouais, c'est vite fait quoi. C'est tranquille quoi. Après, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Ok, donc là on a deux cubes à aller chercher. Bon bah le premier. Non, d'abord. Là, ensuite. Là. Toc. C'est bien, ça fait réfléchir, c'est bien ces trucs-là. Alors bah pareil, ouais, je vais aller là-haut. Histoire d'ouvrir un portail ici-bas. Zop. Je chope le truc. Je retourne. Là. Je retourne là. Et voilà. Touc. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ouais, c'est certainement un autre mensonge, mais bon, c'est pas grave. Bon, et puis maintenant, je fais quoi, là? Ah, d'accord. Ils vont la cacher, la vérité, encore. Je suis pas stupide. La suite, s'il vous plaît, la suite. J'aime bien le style, hein, franchement, de ce jeu. Ok, alors attention à ne pas vous prendre le truc dans la figure. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Ouais. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Faites attention. Oui. Alors la sécurité est importante, mais attention, c'est dangereux. Ouais, prenez-nous pour des imbéciles. Donc attention à ne pas se prendre le truc dans la figure. Ça me paraît clair. Alors j'imagine que ce truc là doit être amené là, donc si je calcule... Bon, en plus, ouais, d'accord, il y a carrément les lumières pour nous aider, voilà. Incroyable, nom du sujet, vous devez faire la fierté de vie du sujet. D'accord. Le programme n'est pas fini, je crois. Ils ont pas fini de l'écrire, le programme. Kev fait la fierté de... Allez, on va dire Rennes, vu que j'étudie à Rennes, et puis c'est tout. De toute façon, si je disais le nom de mon village, ça dirait rien à qui que ce soit. Insérer ici le nom du sujet, insérer ici le nom de la ville, c'est pas mal ça. Tu vois bien que le truc est pas terminé, donc ça sent... Franchement, ça sent mauvais, là. Franchement, moi, je dis qu'il va y avoir des... Enfin... Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, là? D'accord. Bon, ça, c'est bon. Toc. Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Ah, là ça va être un petit peu plus...
Oui, je vois. Ah d'accord, on peut pas... Ah oui d'accord, on est obligé de le faire là-haut. Est-ce que c'est bien calculé ça? Ouais, c'est bon. No problemo. Bon, et puis là je peux sauter quand même. Bah oui. Évidemment. Là c'est vraiment que l'échauffement, hein. Ça je le sais. C'est vraiment pour nous mettre en confiance, après vous nous faire... Vous nous faire douter là. Je le sens. Je le sens. Dans la peau d'un rat de laboratoire. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Il y a un truc bizarre quand même avec cet environnement, hein. Depuis quand menace les cobayes de mort? Alors attendez, j'essaie de comprendre. Ouais, ça sert à rien quoi. D'accord, je crois que... Ah ah ah! Je sais! Bigre. Ah mince, ça par contre c'est pas bon. Ouais, ça c'est pas bon du tout. Ah si, attendez. C'est bien. Alors maintenant... Ouais bah ça va être le même topo hein, j'imagine. On va se placer là, on va avoir une meilleure vue. Et toc. Alors là c'est là qu'il faut regarder pour que ce soit... Voilà, pour avoir la meilleure vue. Zop. Oh là, c'était limite quand même hein. Mais franchement j'aime bien, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce truc en dessous? Bleh. Très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Et la sécurité primordiale? Tu te fiches de moi? Bien sûr, bien sûr. Ah, protocole de test, blablabla, le test, blablabla. Ok, on a compris. Des tests. Faites-moi des tests plus durs, s'il vous plaît. Parce que là, franchement... facile, quoi. Allez. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Et il est inutile d'essayer. Bon, ok, laissez-moi partir. Elle où est la sortie? Non, ça fait partie du test, j'imagine. Mettre le sujet au défi pour qu'il tente de réaliser l'impossible. Voilà. C'est pour heurter l'orgueil ou une bêtise du genre, je sais pas. C'est bizarre. Cette salle de test est hors service. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Ah 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 ! D'accord. J'adore. J'adore. Bah oui. Bah oui, ils nous ont prévenus en plus, hein. Le centre d'enrichissement tient à renouveler ses excuses suite aux problèmes occasionnés par un environnement de test insoluble. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas un peu débile ce que j'ai fait? Bah non, non, c'est parfaitement malin. Honnêtement, merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Non, ça va. J'ai fait un truc stupide au début, mais ça passe. Non mais ils sont cruels et nous disent, c'est très dur, attention. Et puis oh, on s'aperçoit que c'est facile, mais après ça va être vraiment très dur, ils vont nous dire, ah c'est facile. On parie ou pas ?